Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition du journal de TV Plus Madagascar. Dans cette édition du journal de TV Plus Madagascar, une mention spéciale pour tous ceux qui nous suivent dans la belle ville d'Antsirabe. Après le récent retour de signal de TV Plus dans la localité, sans plus attendre, je vous invite à suivre l'essentiel des titres d'information pour ce soir. 5 décès, 88 cas graves et 105 nouveaux cas, tel est le dernier bilan du centre de commandement opérationnel CCO Covid-19 pour la journée du 14 mars 2021, annoncée aux chaînes nationales ce jour à 13h. Les nouveaux symptômes de la Covid-19 sont encore plus intenses selon les médecins. À part la forte température et les fameux autres symptômes de la Covid-19, s'ajoutent des maux d'estomac, une grande fatigue, ainsi que des douleurs aux yeux et des courbatures. Le Conseil des ministres de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, du 12 mars 2021, a réitéré leur soutien à la République de Madagascar dans sa quête pour la restitution des îles glorieuses Juan de Nova, Europa et Bazas da India en vue de parachever le processus de décolonisation du pays. Et pour terminer, si l'exécutif veut à tout prix éviter un reconfinement en Île-de-France, le Premier ministre a averti dimanche qu'il serait décrété si la situation sanitaire ne s'améliorait pas dans la région. Jean Castex doit s'entretenir lundi avec les partenaires sociaux de la levée progressive des restrictions et des mesures de soutien à l'économie. À la une de l'actualité, comme je vous disais à l'instant, en titre, 5 décès, 88 cas graves et 105 nouveaux cas, tel est le dernier bilan du centre de commandement opérationnel CCO Covid-19 pour la journée du 14 mars 2021 annoncée au chaînes nationales ce jour à 13h. La région d'Antsinanan enregistre 4 décès et celle d'Urmbe recense un autre décès depuis le 23 mars 2020. Jusqu'à hier, le coronavirus a fait 334 morts d'après toujours le rapport du CCO de ce jour. C'est un reportage signé Tiavana Duni, Ifrasat. Voici le rapport du Centre de commandement opérationnel CCO Covid-19 sur la situation et l'évolution de la Covid-19 à Madagascar pour la date du 14 mars 2021, publié sur la chaîne nationale ce jour à 13h. 105 nouveaux cas, 14 guéris, 88 cas graves, 5 décès, nombre de tests effectués 688. Pour la région d'Analamang, on dénombre 88 nouveaux cas, 6 guéris, 62 cas graves et 0 décès. Pour Vaknakaraj, un nouveau cas, 0 guéris, 0 cas graves, 0 décès. Dans la région de Bouéni, 7 nouveaux cas, 0 guéris, 11 cas graves, 0 décès. Dans la région de Diana, on dénombre 5 nouveaux cas, 6 guéris, 0 cas graves, 0 décès. Pour la région d'Analanzurouf, il y a eu 4 nouveaux cas, 0 guéris, 0 cas graves, 0 décès. Dans la région d'Anousi, il n'y a pas eu de nouveaux cas, ni de cas graves, ni de décès, et il y a eu un guéri. Dans la région d'Antsinanan, il n'y a pas eu de nouveaux cas, un guéri, 13 cas graves, 4 décès. Pour Atsimon Jefan, il reste encore 2 cas graves, mais 0 nouveaux cas, 0 guéris, 0 décès. Dans la région d'Urumbe, on déplore un décès, mais il n'y a pas eu ni de nouveaux cas, ni de guéris, ni de cas graves. Pour ce qui est du total du cumul depuis le 23 mars 2020 jusqu'au 14 mars 2021, il y a eu 21 587 cas, 20 494 guéris, 334 décès, avec un cumul de 129 593 tests effectués, et ce, d'après les statistiques émanant du ministère de la Santé publique.
Toujours dans cette actualité, les nouveaux symptômes de la COVID-19 sont encore plus intenses. Selon les médecins, à part la forte température et les fameux autres symptômes de la COVID-19, s'ajoutent des maux d'estomac, une grande fatigue, ainsi que des douleurs aux yeux et des courbatures. Par ailleurs, les médicaments pour la prévention et le traitement de la COVID-19 commencent aussi à être très prisés au niveau des pharmacies, selon les explications. C'est un détail, Sibella Rangemazav et Rivo Rangelanson. Les nouveaux symptômes de la COVID-19 apparaissent à partir du troisième jour après l'infection et se manifestent par des douleurs corporelles, des douleurs oculaires, des maux de tête, mais aussi du vomissement et même des diarrhées. Ces symptômes aggravent encore plus l'état de ceux qui sont infectés selon les médecins. Or, actuellement, ils sont déjà nombreux à présenter ces symptômes et qui sont venus auprès des médecins. Les personnes âgées en sont touchées, mais ce sont surtout les jeunes de 12 à 13 ans qui sont nombreux à être atteints de coronavirus. Par rapport à cette situation, les médecins ne refusent aucun patient et prennent immédiatement en charge leurs malades afin de leur octroyer le traitement idéal. Par ailleurs, les médicaments pour le traitement de la COVID-19 commencent aussi à être très prisés au niveau des pharmacies. Ce pharmacien nous explique que depuis 2 ou 3 jours, il rencontre des difficultés dans l'approvisionnement en azithromycine à cause de la forte demande au niveau des fournisseurs. Cependant, il tient à rassurer que le risque de pénurie est à écarter. L'important est de renforcer les anticorps, de respecter les gestes barrières, le port de masque et surtout d'éviter les grosses fatigues car le virus est toujours présent. Passons dans un tout autre domaine, des failles dans la gestion et la coordination des interventions et les aides pour les victimes de la sécheresse et de la famine dans le sud de Madagascar ont été constatées par la société civile qui œuvre dans la lutte contre la malnutrition. Parmi ces failles figurent le retard dans l'arrivée des aides ainsi que l'insuffisance des parts reçues par certains bénéficiaires. La plateforme de la société civile se demande le devenir de ces aides qui ne sont pas arrivées à destination. Face à cette situation, la plateforme de la société civile va mener des enquêtes et des contrôles en ce qui concerne les interventions dans le sud de Madagascar. Anjarla Larsou et Omega Hanebzon vous en disent plus. La société civile œuvrant dans la lutte contre la malnutrition a constaté les efforts des autorités dans la lutte contre la sécheresse et la famine qui sévissent dans le sud de Madagascar, selon le président du conseil d'administration de la plateforme INA. Toutefois, des failles ont été constatées au niveau de la gestion des aides pour les victimes de ce fléau, mais aussi dans la coordination des interventions, selon toujours ce dernier. Nous constatons qu'il y a une certaine faille dans la coordination de ces actions. C'est-à-dire que même en ce qui concerne la mise en place des structures, et c'est vrai que nous ne disconvient pas que l'existence d'un comité spécialisé, donc on parle du CCOK, actuellement, mais est-ce que tous les intervenants sont impliqués dans ce comité? Est-ce qu'il n'y a pas aussi duplication de responsabilités ou de fonctions? Parce que comme vous savez qu'actuellement au niveau du pays, nous avons par exemple l'Office national de nutrition qui devrait assurer la coordination de toute action de nutrition à Madagascar. Il y a aussi donc les antennes de cet organisme comme les ORN ou les offices régionales de nutrition. Est-ce que elles sont vraiment impliquées aussi dans tout ça? La société civile suggère également la réalisation de solutions à la fois multisectorielles et durables dans la lutte contre la sécheresse dans cette partie de Madagascar. Nous interpellons l'État malagasy ou le gouvernement malagasy de vraiment d'œuvrer pour que nous ayons une solution multisectorielle et pérenne. C'est-à-dire qu'il faut voir vraiment les vraies causes de ce qu'il y a dans le pays. Ainsi, pour pallier ces lacunes, la plateforme INA, qui vient d'effectuer une descente auprès des victimes du Kéré avec ses membres, renforcera les contrôles des processus d'intervention et de résolution de ce fléau. Et puis le Conseil des ministres de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, du 12 mars 2021, a réitéré leur soutien à la République de Madagascar dans sa quête pour la restitution des îles Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Basasta India,
en vue de parachever le processus de décolonisation du pays, des décisions relatives à la levée progressive des restrictions quant à la tenue des réunions en présentiel au niveau de la région de la SADC en fonction de l'évolution de la pandémie de COVID-19 ont été aussi adoptées. Reportage. La réunion du Conseil des ministres a permis d'examiner entre autres la situation de la COVID-19 dans la région, le programme de mise en œuvre du plan stratégique indicatif de développement régional, la gestion des risques de catastrophes et la réponse aux catastrophes au niveau régional, la proposition de transformer le forum parlementaire de la SADC en un parlement, l'état d'avancement de la ratification de la zone de libre-échange continentale de l'Afrique et de l'accord tripartite de zone de libre-échange, mais aussi la question des îles glorieuses Rwanda Nova, Europa et Bassasda India. À l'issue de la réunion, des décisions ont été adoptées, dont celles relatives à la levée progressive des restrictions quant à la tenue des réunions en présentiel au niveau de la région de la SADC en fonction de l'évolution de la pandémie de COVID-19. En ce qui concerne les îles malgaches, les pays membres de la SADC ont réitéré le soutien à la République de Madagascar. Dans sa quête pour la restitution des îles glorieuses, Rwanda Nova, Europa et Bassasda India, en vue de parachever le processus de décolonisation du pays, il s'y est de noter que le Conseil des ministres est une institution énoncée à l'article 11 du traité de la SADC. Cette structure est notamment chargée de superviser le fonctionnement et le développement de la SADC, d'approuver ses politiques, ses stratégies et ses programmes et de conseiller le sommet des chefs d'État et de gouvernement sur les questions de politique générale. La délégation malgache composée du ministre des Affaires étrangères et du ministre de l'Économie et des Finances ainsi que du ministre des Transports, du Tourisme et de la Météorologie a participé au Conseil des ministres virtuels de la Communauté de développement de l'Afrique australe par visioconférence. Pour continuer, les agents pénitentiaires sont actuellement en sous-effectif face à l'accroissement du nombre des détenus, mais aussi et surtout suite aux constructions de nouvelles maisons de détention, d'après les précisions. Pour compenser ce manque, l'administration pénitentiaire recrutera 500 agents pénitentiaires cette année à travers un concours. Les résultats du concours qui s'est achevé ce jour seront publiés d'ici 2 mois au plus tard, d'où les 500 agents qui seront retenus pour suivre les formations à Thomasson. Après cette épreuve d'admissibilité, connus d'après le directeur général de l'administration pénitentiaire, Mamtina Djeblou, les Omega Hanouta. Le nombre d'agents pénitentiaires opérationnels actuellement ne répond plus aux besoins de l'administration pénitentiaire, d'après les explications. Les normes sont loin d'être respectées, que ce soit au niveau des gardiennages des maisons de détention ou encore au niveau des transferts ou des transports des détenus dans les tribunaux. Le nombre d'agents est en effet très minime. Or, avec la hausse du nombre des détenus, mais surtout avec la construction de nouvelles maisons de détention en cours actuellement, il est plus que nécessaire d'augmenter l'effectif des agents pénitentiaires, d'après le directeur général de l'administration pénitentiaire. Pour pallier cette insuffisance donc, l'administration pénitentiaire recrutera 500 nouveaux agents cette année. Le concours à travers les épreuves d'admissibilité s'est achevé ce jour. Au total, quelques 9400 candidats y ont participé à travers l'île. Ainsi, pour obtenir les 500 agents qui seront retenus pour suivre une formation en administration pénitentiaire, les différents responsables procéderont à la sélection des candidats à travers les résultats des épreuves d'admissibilité. La liste des candidats admis aux formations qui seront dispensées à Tétézambar ou à Thomasson sera affichée d'ici 2 mois au plus tard. La direction de l'administration pénitentiaire de préciser que toutes les étapes de ce concours se tiennent en toute transparence. Plusieurs entités s'accordent en effet à leur réalisation. Dans un tout autre domaine, le président de l'université d'Antananarive lance un appel au calme pour que l'on puisse finir l'année universitaire dans la sérénité, ceci aussi bien dans le contexte du coronavirus que dans la revendication étudiantine. Le professeur Mamravil Manen a rappelé que le paiement des bourses se trouve au niveau de l'État central et non de l'université. C'est un reportage signé Abraham Razaf, Arfit Rakoutmanal. Face à la situation précaire de l'université d'Antananarive, le professeur Mamravil Manen a fait un appel au calme.
L'université est tant bien que mal en train de finir l'année universitaire et ce depuis le mois de novembre dernier. Le président de l'université a rappelé que c'est son administration qui prend en charge les salaires du personnel technique après discussion avec le ministère de l'enseignement supérieur. La revendication estudiantine sur le paiement des 4 mois de bourse plus l'équipement doit se faire au niveau du gouvernement. L'argent n'est pas encore arrivé au niveau de la caisse de l'université selon ses déclarations. Le professeur Mambra Villeman a tout de même rassuré les étudiants que le paiement devrait se faire après la phase de digitalisation initiée par la présidence de la République. Ceci devrait être fait en fin de semaine, a-t-il ajouté. Le professeur Mambra Villeman a rappelé que le paiement des bourses à l'université de Tuléar s'est fait après la digitalisation de quelques 8000 étudiants si l'université d'Antananarivo rencontre 4 fois plus d'étudiants. À propos de la situation sanitaire, le professeur Mambra Villeman constate l'augmentation des nombres de cas de Covid-19 à l'université d'Antananarivo. Les mentions concernées ont été fermées de 7 à 15 jours et toutes les mesures ont déjà été prises pour parer à la propagation du virus. Supercam, l'œil du rover Perseverance, 3 semaines après son atterrissage sur Mars, le robot Perseverance se porte comme un charme. Supercam, son instrument principal, va pouvoir commencer son travail essentiel à la mission. Reportage. Les objectifs principaux du voyage Mars 2020 est de trouver des traces de vie basées sur la planète, mais aussi de préparer le prochain voyage sur la planète Mars pour l'année 2030. La mission qui a envoyé le rover Perseverance sur la planète Mars a débuté en juillet 2020. Il a envoyé le rover depuis le Cap Canaveral aux États-Unis en juillet 2020 et ce rover-là a atterri sur la planète rouge le 18 février 2021. Les objectifs principaux de cette mission, c'est de retrouver des traces de vie passée sur la planète Mars et aussi de faire des préparations pour faire des tests pour la préparation des futures missions habitées sur cette planète-là. Par exemple, créer de l'oxygène à partir de l'atmosphère présente sur Mars, ou aussi faire le test d'un hélicoptère qui va faire son premier vol sur la planète, d'un petit hélicoptère qui va faire son premier vol sur la planète. La planète Mars a été choisie car elle possède des caractéristiques similaires à celles de la Terre. De plus, elle est aussi plus proche de la Terre par rapport aux autres planètes. La planète Mars a été choisie parce que la planète Mars est une planète qui a intéressé l'homme déjà depuis la mythologie, du fait de sa couleur très rouge. Il y a aussi le fait que la planète Mars ressemblait à la Terre il y a quelques milliards d'années, mais son atmosphère et son environnement s'est transformé en un environnement invivable et inviable. Donc, du fait aussi que c'est la seconde planète qui est la plus proche de la Terre après Vénus, et on sait que Vénus est vraiment invivable du fait de son atmosphère très, très hostile. La planète Mars, quant à elle, présente des aspects qui sont assez intéressants. On a pu voir des traces d'eau auparavant, des traces d'effets d'eau auparavant, et ce sont des éléments intéressants pour que l'on aille sur Mars. Le rover Perseverance possède ses propres caractéristiques, un véhicule bien équipé, indispensable aux recherches scientifiques. Le rover Perseverance a une dimension de 2,7 mètres x 3 mètres et une hauteur de 2,2 mètres. Ce rover pèse environ 1 tonne et compte 6 roues, 2 grosses roues, et aussi compte 3 caméras qui sont, dans la plupart, sont à usage scientifique. Il faut se dire que c'est le premier rover qui compte un microphone sur lui, c'est-à-dire que c'est le premier rover qui pourra enregistrer le son venant de la planète Mars. C'est aussi le premier rover qui pourra prendre des échantillons du sol de la planète Mars et ces échantillons-là seront renvoyés sur Terre. Il faut avoir en tête que
Même les procédés pour renvoyer ces échantillons sur Terre sont encore dans un stade d'imagination, parce qu'on n'a pas encore la technologie nécessaire pour renvoyer ces échantillons-là sur Terre. Le rover Perseverance est censé travailler sur la planète Mars pendant 2 années en vue d'étudier le sol martien et d'en collecter des échantillons. Ces échantillons sont prévus arriver sur Terre en 2026. Quant au véhicule rover Perseverance, il restera sur Mars jusqu'au prochain voyage. Et pour clore cette édition, passons maintenant aux actualités internationales. Si l'option reste sur la table pour lutter contre la progression de la COVID-19 en France, tout doit être fait pour éviter un reconfinement en Île-de-France, même s'il sera imposé si nécessaire face à une situation qui ne s'améliore pas sur le plan sanitaire et pèse sur le personnel soignant, a déclaré dimanche 14 mars le Premier ministre Jean Castex. François Castex. Je crois qu'il faut ne recourir au confinement qui n'est pas exclu, je le dis toujours tout de suite en réponse très clairement à cette question, qu'il n'est pas exclu, mais il faut qu'on utilise toutes les armes à notre disposition pour éviter le reconfinement compte tenu des conséquences qu'il a pour la population. Et puis c'est la fin de cette édition. Bonne suite au programme sur TV Plus Madagascar. Je vous retrouve à 19h30 avec encore plus d'informations version Malagas. Vous pouvez nous suivre en direct sur notre page Facebook ou encore sur notre compte YouTube. Rendez-vous donc à 19h30. Au revoir.